Bonjour, je suis Mimi, je suis l'amie de Moumou, j'ai... Non mais, tu t'arrêtes jamais de parler. J'ai été contactée par Monsieur Bartoli pour garder la petite Laurie. Le poste est toujours à pourvoir. Salut à tous, j'espère que cette petite introduction vous a bien fait flipper. C'est une petite amorce Halloween. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre tablette, sur votre Android ou sur votre téléphone. Alors j'ai été plutôt recontactée par la société 1492 Studio. Je sais pas si vous vous en souvenez, parce que ça voudrait dire que ça fait quand même 2 ans que vous me suivez. J'avais présenté en fait le jeu Is It Love Gabriel, il va s'afficher juste ici. Et en gros c'est une histoire d'amour virtuelle, un peu en mode les 50 nuances de Grey's. Et aujourd'hui, ils ont sorti un nouveau jeu qui est Is It Love Drogo. Et là, en fait, on change un petit peu d'ambiance puisque je vais tomber amoureuse d'un vampire. Voilà, à défaut de tomber amoureuse dans la vraie vie, je tombe amoureuse sur un jeu vidéo. C'est plutôt pas mal. Si jamais vous aussi vous êtes célibataire, hashtag team célibatante, je regarderai dans les commentaires, même s'il y a des garçons. Hein. Donc en gros, c'est un jeu qui va vous emmener dans une nouvelle ville. Et là, en fait, t'as envie de changer complètement. Donc t'arrives, t'es dans une université, juste une université. Elle est magnifique. Si j'avais une université comme ça, je crois que ça m'aurait un peu plus poussé d'ailleurs à faire des études. Et après, en fait, je deviens jeune fille au pair. Sauf que là, rien ne se passe comme prévu. J'arrive dans un grand manoir. Donc c'est le début de la vidéo que vous avez vu. Et genre, ça me fait super flipper. Et vous savez que du moment où ça fait un petit peu flipper, c'est un peu austère, moi j'accroche direct. Alors comme le jeu vidéo est gratuit, ce qui est cool, c'est qu'en fait, vous avez des énergies. Donc tous les jours, vous gagnez 300 énergies. Donc moi, forcément, la société m'avait débloqué le compte, donc j'ai été assez vite pour lire les scénarios. Ce qui m'a valu d'avoir... 4-5 nuits blanches. En fait, je ne pouvais pas m'arrêter de jouer. C'est un truc de fou, franchement. C'est vraiment addictif. Alors, si jamais vous téléchargez le jeu, vous pourrez voir. Vous mettez votre prénom, votre nom. Et vraiment, on se sent impliqué dans le jeu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vos choix. C'est nos propres choix qui vont influencer le scénario. En tout cas, de mon côté, moi, j'ai totalement kiffé. Alors, l'idée, c'est que... faut tomber amoureuse donc de Drogo. Alors Drogo, c'est un jeune vampire très moderne hein, puisque il n'a pas peur du soleil, hein, voilà, il peut aller partout. J'espère que ma petite amorce vous aura donné envie de télécharger ce jeu. Je vais vous mettre tous les liens donc dans la barre d'infos. Si jamais vous êtes addict donc aux histoires qui sortent, sachez qu'il y a la nouvelle version, donc la version 2 de Matt qui va sortir. Et ils m'ont donné l'exclu en avant-première, donc hop, vous pouvez découvrir la fiche de Matt qui est assez sexy puisque la fille qui tient dans ses bras, c'est censé être nous. Donc voilà, ça donne un petit peu chaud. Oui, parce que je voulais pas préciser, mais vous savez, des fois dans le jeu, vous avez des scènes qui sont assez... qui sont un peu torrides hein, quand même. Si jamais vous avez apprécié donc l'intro de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et si jamais aussi vous avez envie de tester le jeu, pourquoi pas me mettre un autre pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Restez branchés puisque Halloween arrive très bientôt. Il y a pas mal de choses qui vont arriver qui devraient vous faire grandement plaisir. Pour me suivre chaque jour, c'est sur mon Snapchat EmiOff. Surtout en ce moment, je fais pas mal de choses, pas mal de tournages. Donc si vous voulez voir des backstage, des choses inédites. Bonjour, je suis Non, mais tu n'as jamais de parler. Voilà. Je vous fais des bisous, merci à vous d'être ici et je vous dis à très très vite, c'est-à-dire dimanche prochain, 13h pour une nouvelle vidéo.